fait c'est une part un peu exagérée de ce que je peux avoir au fond de moi. Mais j'avais pas envie d'en parler. J'aime bien m'exprimer dans des termes plus fantastiques, irréels. Je pense que c'est une façon de se planquer aussi, hein, mais en même temps je monte sur scène, donc je me planque sans me planquer. Mais je pense que le lien entre le côté assez extraordinaire et moi, c'est ce que j'ai au fond et que je vais un peu extrapoler, je vais exagérer un peu le trait. Je fais de la musique pour lâcher prise, pour enlever le côté un peu trop, pour garder la spontanéité et puis le côté un peu... Je fais pas de la musique pour le côté intello, entre guillemets, en fait. Donc déjà, décortiquer mes textes, j'ai un peu de mal, mais je vais pas dire que ce que je raconte c'est n'importe quoi, hein, évidemment, mais j'ai pas une manière de, je me mets pas derrière un bureau. Ou je... C'est d'abord des histoires de sonorité, hein, je crois, et puis après je m'amuse. La scène, ça ne ment pas, il y a un aspect très jeté, et surtout il y a une vraie histoire d'amour avec les gens. T'es pas tout seul dans ton studio mat avec ton casque sur la tête, quoi. Il y a vraiment un rapport avec les gens qui est immédiat ou pas, ça se fait ou pas, chaque soir c'est différent, ça nourrit énormément. Moi, je crois que c'est pour ça que je fais ce métier, hein, c'est pour monter sur scène. Je crois que ça me rassure. Day by day, my life like a postcard. Pretty when you see it, but cold and dry. You live in my heart. You live in my heart. Crawling slowly, thrill when the wind cries. Giving and forgiving, I'm one out of kind. You live in my heart. Pour l'instant, sur cette première partie de tournée, ça a été très riche, très positif. C'est vraiment de la découverte pure et dure. Les gens ne connaissent pas, donc c'est bon de vivre tout ça aussi. C'est des premières fois et ça n'a pas de prix, ça, quand même. C'est riche. Show.